Je trouvais plus ma chaise. Allez, hop, c'est parti à la fin de cette vidéo. Hop, ah, oh, ça va? Oh non, oh, j'ai pété la chaise. Oh là là là, oh, j'ai pété la chaise. Oh, moi, je peux pas faire la vidéo avec ça. Il faut qu'on aille en acheter une autre. Hein. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On va aller au Style à Saint-Etienne. Et on va acheter une nouvelle chaise. Ça vous dit? Ouais, et puis on fera peut-être. C'est trop bien là-bas. Bah, c'est trop bien, puis on fera peut-être des petites emplettes supplémentaires. On ira dans les magasins, ça vous dit? Les petits copains et copines, restez bien sur cette vidéo. On revient tout de suite après le générique et on vous montre tout ce qu'on a trouvé à Style. On va faire tous les magasins. A tout de suite, générique. J'ai tout pelleté. Et nous revoici les petits copains, les petites copines. Ça va toujours les trois loulous? Ouais bah ça va moyen, moi je suis tout petit, j'ai plus de chaise, ma mounette. Alors voilà, je suis par terre, ça continue, je vais passer sous la table. Ah mais attends, mais si je me lève, regarde, voilà. Ah bon. Mais en fait, ma mounette, on revient de chez Style et on a acheté une nouvelle chaise. Et oui, il y a tout un tas de magasins, on les a tous faits presque, hein, c'est oui, ça? Oui, c'est trop et bien. Du coup, on a fait quelques petites emplettes. Alors, on a trouvé un tabouret, mais on n'a pas trouvé que ça. Ah, tu veux que je le fasse passer? Oui, je veux bien, j'aimerais bien m'asseoir. Oh, il est super lourd, il est tout en bois. Regardez les petits copains de copines, c'est un tabouret en bois véritable. Wow. J'ai même supporté une grosse fesse de papounet. Quoi, c'est vrai? C'est pas pour pas dire ça? Regardez les petits coins de copines, c'est génial, je vais pouvoir m'asseoir à nouveau. Allez, c'est parti. Allez, vas-y, ça se trouve, tu vas être plus haut que. Enfin, peut-être que tu en règles, hein. Alors attends, vas-y. Je me mets. On dirait que t'escalades un truc. Ah ouais, t'es beaucoup plus grand qu'elle. Alors attends, je recule. Très grand, regarde. Non, non, attends, remets-toi correctement. Bien droit là, c'est non, comme pas du tout. Là, je suis là. Là, c'est bien. C'est bon, t'as bien réglé, ma mounette. Ouais, bon, les petits copains, copines, on n'a pas acheté qu'un tabouret, comme vous l'a dit, ma mounette. On a fait tout un tas de magasins et on a trouvé plein de choses, autant pour Ellie que pour Lana. Alors, on va vous faire découvrir tout ça tout de suite, ma mounette. On commence par qui? Ellie. Alors, Ellie, qu'est-ce qu'elle a trouvé? Ellie, elle a trouvé une gourde. En fait, la gourde, en fait, au lieu de toujours faire tic-tic. Et bien en fait, on fait ça et on a une c'est 10 fois plus pratique. Il y a une paille intégrée en fait. Une papaye. Une papaye. Papaye. Ok, genre un sac aux fourches. Avec la papaye.
Vous savez quoi? On ramasse la papaye avec la foufourche. C'était beau, très chouette. Bon, et alors Ellie, il y a une jolie petite voilà, licorne dessus. Licorne. Bon, bah t'es content. Ça met où de la merde? Fais voir, je l'ai pas bien vu moi. Fais voir. Ah oui. Unicorn. Petite licorne. Ça vient de chez H&M. Elle est jolie. Hein. Ouais, j'aime bien. H&M. Bon, ensuite, Papounet, il a des points noirs sur le nez. Oh, c'est pas vrai. Si. Ah bon. Écoute, assume, tu t'es pris un masque peel-off au charbon. Au charbon. C'est plutôt Lana qui s'est pris ça, oui. Ouais, c'est vrai. Chez Action, on a pris d'autres masques également. On a pris ceux-là, là, néon, déstress et relaxant, c'est un peu la même chose. Ouais, en fait, elle voulait, elle savait pas choisir. Ah bah oui, elle savait pas choisir. Arrête, petit. J'étais partie dans le bal masqué. Elle a ensuite pris d'autres masques peel-off, un petit kit comme ceci. Voilà. Plein de masques. Peel-off. Ça, ça c'est chez Action et ça coûte pas grand chose. C'est polonais ça, peel-off. Topalov. Peel-off. Ah, peel-off, d'accord. Mais oui, peel-off, ça fait une couche, après tu l'enlèves. Alors, Ellie, après couche, on est. Une couche de bébé une et couche on l'enlève. De masque. Quand elle est pleine, on l'enlève. Voilà, ensuite, Ellie, chez Maison du Monde, elle a eu fait des achats essentiels. Là, c'est un petit. Porte-clé. Un porte-clé, oui, mais avec une boule toute douce noire et avec des oreilles de chat. Donc, c'est un petit chat. Ouais, tout à fait. Un chat noir. Et Maison du Monde, elle a également pris deux super jolis stylos. Regardez, il y a encore les étiquettes. Il y a un cristal, 4€. Celui-là, il a un cristal, Mamounette. Regarde. Une améthyste. Ouais. Quartz rose, on ne sait pas. Ou une jade aussi. Non, jade, c'est vert. Et ben non, ça peut être c'est rose. Oui, c'est un quartz rose. Voilà, ça se tourne. C'est glitter, c'est bling bling. Hop, voilà. C'est bling bling, ça, Mamounette. C'est joli, hein. Il y a plein de petits diamants. Bling bling. Trop joli. Voilà. Ça, c'est des stylos, Mamounette. Et là, ça fait côté stylet aussi. On peut le faire sur une tablette. Tiens. Oui, parce qu'on peut appuyer comme ça. C'est génial. C'est une gomme en fait. En vrai, c'est non, une gomme. Je crois, pas, c'est stylé. Je crois que c'est une gomme. En tout cas, c'est stylé. C'est stylé. Ensuite, c'est stylé. Là, on a été au style. Et on a été au style. Ah, elle est chez moi. Quelle heure est-il? Non, mais m'aidez pas, hein, c'est pas grave. Elle a pris un sac rose. Oh, il a une girly. Attends, t'as une pochette, oui. Une petite pochette devant. Au moins, on peut mettre plus de choses dedans. Mais attends, la pochette. Et là, une pochette. Une permeture éclair. Une permeture éclair. Oh et on peut mettre les doigts dedans quand on a froid l'hiver. Ah, et voilà, très pratique pour caresser. Ok. Ça va, Lyon, tu fais. Hop, allez, je referme. Bon, ensuite, Élise. Non, là, je t'ai mis ça chez moi. Chez moi. Chez moi. Moi. Passion. Passion porte-clé qu'elle a déjà démonté. Donc, c'est un petit porte-clé en forme de lapin. Il se met ici, là, le petit anneau. Et voilà, on accroche ça au sac et c'est trop mignon. Moi je vais lui faire comme si c'était un petit jeu, je le mets à sa petite pomme. Comme si c'était un bracelet. Il est trop mignon. Oh mais il est mignon tout plein ce lapin, on a envie de faire des cadeaux. Chez Moa. Chez Moa. Chez Moa. On l'a acheté chez Moa. Bon, ensuite, Lana, qu'est-ce qu'elle a pris? Chez Action, elle a trouvé une boîte. Il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Boîte à bijoux. Ah mais c'est une boîte à bijoux. Ah oui, ça sort pas ma puce. Regardez, petit copain de copine. Là c'est pour mettre les bagues. On peut bloquer d'oreilles. Ici, les bagues, les bijoux. Là les colliers, les bracelets. Ici il y a une petite pochette. On peut même mettre les colliers au-dessus. C'est chouette, hein. Bien. Ouais. C'est simple. Et puis ça se referme. On dirait du cuir. Je sais pas ce que c'est, mais c'est joli, hein. Bon. C'est trop beau. Ensuite chez H&M, Ellie, elle a pris un truc trop stylax. Elle va vous. Ah ouais, vas-y. Vas-y, montre-nous. Elle adore. Elle l'a vu. Je pense que je vais pas y arriver à le mettre. Aussi. Ouais, parce qu'elle demande toujours. Yeah. Voilà. Du premier coup. Non, là, c'est pourquoi Bob Marley, il s'appelle Bob Marley. Parce que le Bob Marley, lui. Et ben en fait, il s'est mis un Bob et puis il a dit, oh, j'ai vu que le Bob Marley. Ok. Qu'est-ce qu'elle a trouvé d'autre, Ellie? Chez Action, elle a trouvé des petites bombes de bain. Des bombes. Alors, il y en a une, c'est écrit XOXO. Elle est violette et violette plus claire. Un pêcheur. Ouais. On dirait pas un Bob Ricard. Si. Et sur toi, c'est pas stylé, sur Ellie. Et là, c'est écrit BFF. Et sur celle-ci, elle est rose et saumon, c'est écrit BFF. Elles sont trop stylées, elles sont énormes, ces bombes. Ouais, mais c'est quand même petit marron de la tête. Ça, ça me va pas. Horrible. Horrible. Et Lana, elle a acheté tout un tas de vêtements. Ah, envoie les vêtements. Alors, qu'est-ce qu'on a comme vêtements? Qu'est-ce que t'as fait comme magasin? Voilà, on a fait Jennifer. Jennifer, un petit t-shirt. Don't call me Jennifer. Pour l'été, parce que j'ai Don't call me Jennifer. Don't call me Jennifer.
Ah, fais-moi le haut. Un haut. En fait, il aime bien lui. Ouais, tu l'aimes bien, je l'aime. Ok. Voilà. Ça fait très années 90. Hein. Donc là, c'est H&M. 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 On a pris un autre petit haut bleu. H&M. Encore H&M. Oh, joli petit haut. Ça, c'est joli. Moi, j'aime bien, j'essaye tout. Hein. Ça te va bien. Quand on a encore H&M, oula. Oh, alors ça, c'est grand. Oh, une robe un peu, tu sais, le film, là. Gardienne du soleil. Avec allez. Mike. Allez, je claque Mike, comment elle s'appelle? Non. Michael Field. Mike. Oh. Ah oui, avec... Je sais plus le titre. Ça me reviendra peut-être, ouais. j'ai plus le titre. Bon voilà, années 60 un peu. On a une robe. Noire, basique, oh. Avec un joli dos basique. Quand même. Un dos nu. Je sais pas si vous voyez quelque chose là, parce qu'on comprend rien. C'est un bout de tissu avec des lianes. Ah c'est comme ça. Ça c'est le dos. Ça c'est le dos. Ah oui, c'est croisé dans le dos. Oui. Ah oui. Le film, il n'y a pas mini moi. Si. Ouais, comment il s'appelle? Oui, puis ça, il a une mini. Il a une mini comme ça, il est britannique, il s'appelle Mike. Voilà. Mike Myers, c'est l'acteur. C'est encore Jennifer. Oh, Jennifer! Un pantalon. Un pantalon. C'est pas plutôt. Non. Des tresses. Oui. Parce que ça me va bien. Ouais, super. Et ben non! Ah ben, voilà. Super, Mamounette! Bon, ensuite, Ellie, elle a acheté encore des trucs indispensables. Qu'est-ce que c'est? En fait, ça c'est indispensable parce que surtout, ça fait de la lumière. Oh, c'est une lampe, regarde, Mamounette, ça fait des lumières. C'est un petit lapin, mais il s'allume. Ah, attends, oui. Je vais le mettre dans le noir. Regarde. Ah, oui, attends, on voit. Sinon, on peut tout éteindre, toutes les lumières. Est-ce que tu vois? Bah, ouais, en plus, ça change de couleur. Bleu, violet. Ça marche bien. Après, ça passe au vert. Crème jaune. C'est un lapin qui change de couleur. Change de couleur. Et comment tu l'appelles lui? C'est un caméléon. C'est un lapéléon. Ou un caméléapin. C'est un caméléapin. Change de couleur. Comme ça. Ok, ensuite bah, des petits feutres hein, chez Action comme d'habitude. Pour colorier. Voilà, parce qu'on adore colorier. Un caméléapin. Ensuite chez Action, elle a acheté ça. Je sais pas ce que c'est. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est un lapin, non? Je crois que c'est un lapin. C'est un lapin surprise. Ah là, ah là, il faut l'éclater, je crois. Oulala, doucement, ouais. Vous allez tout déchirer. On va lui éclater la tronche. Il y a du scotch sur ouais, du scotch. Attends, regarde ma monnaie. Tout est prêt. Équipé. J'ai tout ce qu'il faut. Tu veux que je te l'ouvre ou tu l'ouvres? Alors, fais attention à ne pas lui couper des poils. Il va lui manquer une patte. Si vous êtes amené à utiliser des ciseaux, ben faites-le faire par un adulte. Ellie, elle sait faire, hein, Mamounette. Ouais. Elle réalise ça sans trucage. Ça dépend. Ça dépend. Je sais pas, on verra. Vas-y, tu peux déchirer. Ah oui, là, tu peux. Non, elle fait ça bien, regarde. Allez, tac, tac. On espère qu'il a tous ses membres. Ouais, ça a l'air de. Ouais. Alors attends, il est encore accroché quelque part. Ah oui, là, tu peux tirer. Là, tu peux l'arracher. Voilà. Oh, regardez, on a eu. Un chapeau qui me va bien mieux que l'autre, Mamounette, non? Oui, pas. Oui, ça va. Ça me va. Alors, on a même la collection. Regardez. Ouais, il est pas mal, on dirait un peu les peluches-ti, mais c'est pas les peluches-ti. Et là, la collection. Il s'appelle Juno. Juno. Il est sympa. Juno. Il est sympa, il est sympa. Il s'appelle Juno, celui-là. Ah oui, regardez, on l'a ici. Non, pas du tout, c'est Criso. Il est néon en fait. Ah oui, fais voir. Regardez toute la collection, les petits comics. C'est ce que tu mets sur tes stylos voilà. Là. Eh ben oui. Il y en a pas mal, ouais. Et ils sont néons. D'accord. Voilà. Ensuite, bah, c'est toujours Ellie, hein, parce que Lana elle a, mis deux, elle a eu d'autres choses, mais elle veut pas vous les montrer. Bah, on montre pas les slips. C'est bon. Ah oui, voilà. On montre pas. Ensuite, Ellie, elle a acheté un booster avec Pikachu en dessus. Fait, tu veux pas montrer ton CD de Lori? Ça, c'est pas Pikachu, c'est ta meilleure amie. C'est Pikachu. Non. C'est Pikachu, Ellie. C'est Lugara. C'est Pikachu. C'est Lugara. Est-ce que tu veux qu'on montre aussi tes dents de vampire que t'as acheté? Ton dentier. Le dentier. Bon, pas le dentier, on montre pas le dentier. N'importe quoi. Donc, un booster avec des cartes Pokémon. Booster. Ensuite, un pack. Sylvanian Family, parce qu'on adore. C'est de la Yuski Family. Des Yuski, vraiment? Oui, en fait, il y a les bébés avec les trios. Et elle a pris également les Yuski, les petits jumeaux. Les twins, oui, ils sont un tout petit peu plus grands. Trop mignons. Pour finir la collection, et bah, du coup, bah, j'ai fait. Oui, parce que là, ce sont de vrais petits bébés, avec là, le petit traîneau pour le papa, parce que se porter trois enfants, voilà. Et du coup, il y a le papa et la maman. C'est trop mignon. Tiens, ma puce, tu peux les ouvrir. Hein.
Wow, mais ça, j'aime bien. Ouais, c'est joli, les Sylvanian, c'est toujours mignon. Et puis, elle avait pas ça, Ellie, alors du coup, elle a craqué sur une petite Barbie extra minise. Alors, voilà, je sais pas si vous connaissez, petit copain, petite copine. À mon avis, c'est une nouveauté. Ouais, c'est une nouveauté, parce que c'est une petite Barbie. Entre la petite sœur de Barbie et la grande Barbie, voilà, elles ont des grosses têtes, c'est pas mal. La petite sœur de Barbie et Stacy. Ah, Stacy, oui, c'est ça. Donc c'est une ado en fait. Ouais, c'est voilà. Ça. On peut dire que c'est ça. Elle a la grosse tête. Parfois. Elle a la grosse tête, elle est comme. Et puis voilà, on arrive à la fin du haul. Ouais, alors on va juste regarder cette poupée d'un peu plus près, si je la fais pas tomber par terre. Tiens, ma mounette, regarde, elle est magnifique. Je l'extire. Enlevé les chaussures. Et t'as cassé sa stéréo. Tu peux la mettre. Non, mais je peux la faire tomber. Ça, elle a une chaussure là. Ah oui, elle a une chaussure. Désolé. Alors, comment elle s'appelle celle-là? Je sais pas. Elle s'appelle. Non, regarde. Ah oui, regardez. On va la mettre, ouais. Alors, elle a des gros sourcils, comme ça se fait maintenant. Hein, c'est à la mode les gros sourcils. Ouais. Non. Voilà. Bah oui. C'est qui ma mounette qui a des gros sourcils, elle est hyper tu sais stylée. Comment elle s'appelle Calo. Frida Kahlo. Frida Kahlo, elle. Non, elle avait un mono sourcil. Un mono sourcil. Emmanuel Chin aussi. Ah, non, elle est sympa. Très mignonne. Regarde derrière avec sa stéréo. Oui. Petite stéréo et le petit présentoir. Voilà. Et donc on peut la mettre sur son présentoir comme ceci. Regardez. Sylana y arrive. Ouais, t'y arrives. Est-ce que t'y arrives? Vas-y. Lana vient d'abdiquer. Alors, je vais la mettre sur son portoir. Hop. Son voilà. Portoir. Son portoir, j'appelle ça un portoir. Et là, on peut lui faire prendre les poses qu'on veut. Parce que du coup, comme elle tient bien, on peut lui faire prendre autant de poses que nous avons envie. Oui, parce qu'elle est toute articulée, bien sûr. Hein, et elle vient bien de chuter. Bon, les petits copains et copines, on espère que cette vidéo vous a plu. C'était un petit haul sympathique. Nous sommes allés donc au Style à Saint-Etienne. Voilà. Et on a craqué sur tous les magasins. On était dans tous les magasins, on a trouvé plein de choses, on a vu des magasins de jeux vidéo, des magasins d'habits, des magasins de jouets, on a même mangé. D'ailleurs, je vous mets une petite vidéo, si j'arrive à l'incruster, je vous mets une petite vidéo d'où on a mangé. Ça s'appelle les trois brasseurs. C'est très bon, ma mounette. Et copieux. Il y avait du monde, on a un peu attendu, mais il était bien. Tout à fait. C'est pas les trois brasseurs, mais les brasseurs. Les trois brasseurs. Les brasseurs. Ils te broient comme ça. J'ai trois brasseurs. Dur à dire, trois brasseurs. Et Mamounette, dans ce restaurant, je ne sais pas si tu te souviens, il y a un camion. Oui. On peut monter dans le camion. Le camion, il est dans le restaurant. Et on mange dans le camion. Donc en fait, on mange dans un restaurant. Non, en fait, on mange dans un camion qui est dans un restaurant qui est dans le style. Oui, mais c'est pas un vrai. C'est un vrai, mais. C'est un vrai. Mais il ne démarre pas. Oui, ils ont enlevé les clés. Oui, du coup. Et du coup. Bon, tu connais une copine, toi que vous allez bien. Moi je vais bien. J'espère que vous allez bien. Yeah. Hein, je suis très fatiguée. Crac. Oh, regardez. Tchou, ils font de la luge. Bah oui, parce que les skis, savez-vous Au pôle Nord. Ah bah allez. Oui. Bah oui, c'est logique, les Youskis. Oui. Ils sont au pôle Nord, donc du coup, ils sont dans une luge. Je suis tout tombé, maman. Voilà, avant de la tirer. Waouh, regardez le papa, ah bah oui. Il est trop beau avec sa petite jupe. Alors, c'est bizarre parce que c'est des chiens de traîneau qui tirent des chiens de traîneau en fait. Ils traînent leurs gosses. Ils traînent leurs gosses. Bon, c'est étrange. Bon, les petits copains, les petites copines, on espère que cette vidéo vous a plu. On vous fait des gros bisous, surtout soyez sages. Abonnez-vous, ça nous fait toujours plaisir. Laissez-nous un petit pouce bleu. Et puis, on vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ouais. J'ai rien écouté ce que t'as dit, Mamounette. Tu disais quoi là? Ah oui. Et nous revoici. C'est coupé. Hein. C'est fini. Ouais. C'est vrai, c'est coupé. Ouais. Je te crois pas. Je te crois pas une seconde, Mamounette. Bon, allez, tu connais, on fait de gros bisous. À très bientôt.